Rimer, Yas, ouais, on est là. Yas, c'est rime. Y'a pas de rime. Vas-y, tu pues là. Va dans la salle de bain, mets-toi à l'aise, non? Vas-y, t'occupe, frère. T'inquiète, t'inquiète. Regarde, c'est pas mal ça, non? Ouais, c'est. Petite déco, tout et tout. Écrit par le directeur. Il nous met Yam. On manque un peu la bouteille de champagne quand même. Alors, la vie, elle pleut ou quoi? Ouais, ça va. Ah, voilà, je t'ai pas menti, hein. Elle est cool, elle est cool. Bah, ouais. Bien vu, hein, t'as. J'y vais, c'est ça. Ouais. Tranquille. Mais bon, moi, je vais me coucher, hein, je suis fatiguée. Oh. Wesh, qu'est-ce qui se passe là? Rien, rien. Rien, rien, frère, c'est bon. Attends, frère, t'es ouf, habille-toi, frère, tu fais quoi là? T'es ouf, toi, moi je porte tout nu, pourquoi ça te dérange? Ah! Ben voilà! Mais quoi? Mais c'est pas parce que je suis fait de muscles qu'il faut croire que je suis pas sensible. Ouais, je t'ai sérieuse ou quoi? Eh, hey, c'est un corps de chair toi aussi là. Putain. Voilà, merci. Maintenant, on va gentiment, sagement dormir. Eh, hey, je me vide pas, je dors pas. Oui, ben, tu me disais des bails du genre oui, moi je suis pas comme les autres c'est pas moi. De toute façon, tu m'intéresses pas, gros, t'es pas mon genre. Vas-y, comme ça, je t'intéresse pas. Genre, t'aimes pas les livres, toi. Genre, tu dis chuchum. Vous vous ressemblez tous, vous vous ressemblez tellement que quand vous êtes en pente, j'ai l'impression que c'est des Chinois, frère. Tellement, vous avez tous la même tête. Comment toi, tu fais pour reconnaître ton père ou ton frère ou... Ça, c'est simple, c'est à la taille de nos bites. Ok, d'accord. Ouais, j'ai rien fait, calme ta joie. D'accord. Genre, c'est. Okay. Nous, on fait ça, c'est notre ADN, ça. Ok. Moi, c'est 23 sur 6. Ok, ouais. Et tu vas arrêter de me toucher, tu vas arrêter de gigoter partout comme ça, parce que frère, je vais tomber à cause de toi. Je vais dans... Tu fais quoi là? Tu fais quoi là, putain? Mais meuf, regarde. Vas-y, tu vas pas dormir comme ça à l'ancienne, non, c'est un vieux truc. Wesh, mais là, t'es pas sérieuse là, je vois ton fesseps aussi. Moi, commence pas à me casser la tête parce que c'est... Mais ça va pas! Tu me casses les couilles, vraiment, t'es chiant comme mec, hein. Tu fais quoi mais là? Mais putain, mais tu comprends pas, mais hé, frère, j'ai le droit du sol, tu connais le droit du sol? Bah, c'est mon droit. Ouais, bah, maintenant, est-ce que tu peux retourner sur ce putain de lit où tu me laisses même pas dormir dessus et me laisser juste au moins le sol? Eh, hey, je t'ai offert un lit ou un sol? J'en ai rien à foutre, tu m'as rien offert du tout, frère. Putain, casse les couilles. Vas-y, toi aussi là. C'est comme un gros PD là, à chaque fois tu fais ça. Putain, t'es un gros bâtard. Eh, hey, tu fais flipper tout le monde. Eh, hey, frère, si t'es au téléphone, dis-le. Hein. Vas-y, toi. Je parle à ma bite là, elle est trop frustrée. Eh, hey, tu veux pas que je te boucle la chatte? Eh, hey, franchement, tu as kiffé ça. C'est comme des spaghettis à la bolognaise, t'en mets partout. En plus là, vu comment tu pues là, ça va me changer d'air. Eh, si tu veux, c'est les pâtes à la crème fraîche et toi tu bois du hop. De toute façon, les deux c'est bon pour la santé. Oh putain. Bah ouais. Plus jamais je vais boire du hop à cause de toi. Je vais t'inspirer ton âme par ton vagin. Tu vas kiffer ça. Eh, tu vas pas me lécher, cherche pas. Genre t'as jamais fait. Pourquoi tu fais la meuf dégoûtée tout aussi? Tu me fais penser là aux petits enfants à la cantine. Ils n'aiment pas les épinards alors qu'ils ont même pas grave. J'ai pas envie de lécher la chatte à des enfants qui aiment pas les épinards à la cantine. T'es un ouf toi. Et de toute façon, on va pas dormir si on fait rien. On fait un truc, on dort direct. Bah ok, je veux bien te les branles, hein. Ok, je me déshabille pas. Non, mais je te les branles, tu craches, tu dors. Après tout, tu l'as bien mérité. Tu vas faire ça parce que tu es redevable. Eh, c'est archi glauque ton truc, tu prends pourquoi? Pour ton mail. Genre, c'est comme ça que tu vis, toi. Genre, tu fais ta pute pour remercier tes services. Vas-y. Ah, tu veux pas que je dise je t'aime non plus, frère?
Vas-y, je vais branler. Eh, attends, je vais branler, tu vas cracher 2 minutes. Touche-moi pas. Eh, vas-y. Reste là. Sérieux, là ? C'est mort, tu me touches. Ah. Je suis pas un de tes petits puceaux du ghetto. Hein. Moi, c'est 45 minutes à main, c'est simple. C'est parce que t'as taillé 2-3 pipes auparavant qu'il croit que t'es carrossé pour moi. Vas-y, vas-y, bouge de là. Touche-moi. Touche-moi. Vas-y, tu calmes ma toi. Putain, t'es relou. C'est bon. Vas-y. T'es où ? Eh, hey, tu sais quoi ? J'ai peut-être que quelques pipes au compteur, ok, mais je suis pas si nul que ça. Ça va peut-être durer 36 heures, mais tu vas finir par dormir, ok ? Tu vas arrêter de me casser les couilles. Ok. Oh putain. Eh, hey, si tu me pépons, je te jure, je vais grave vite. Comment je vais tu super vas vite. Genre, 22-25, je vais pas, en 22-25. Et après, par contre, tu vois, si tu continues comme ça va durer trop longtemps, genre 45 minutes. Donc là, t'as cru ? Je rigole ! Je rigole ! Ça veut dire que là, tu pensais vraiment, hein, qu'en me disant ça, je vais vouloir t'user pendant 22 minutes. Eh, je t'ai cramé tout à l'heure. D'ailleurs, t'as cru, j'ai pas vu comment tu l'as regardé, wesh. Je l'ai pas regardé, hein. Mais tu l'as regardé de je ouf. Je l'ai pas regardé. Mais hein. Tu te demandais, c'est rentré ça, dans c'est... ta bouche. Si tu fais, tu non. seras. En plus, c'est quoi ? Je vais pleurer de joie. Ok, mais c'est bien, pleure de joie dans ta tête, d'accord ? Arrête de fantasmer, j'ai l'impression que c'est toi. Tu sais quoi ? Je suis pas là pour te faire plaisir, je suis là pour que tu te dormes, t'arrêtes de me casser les couilles. Ah ouais, tu kiffes ma grosse bite. Tu vas parler comme ça à ta femme, à ta hiel, frère, ou c'est réservé que aux filles d'un soir comme moi ? Qui a dit que t'étais une meuf d'un soir ? Et bien sûr qu'à ma hiel, c'est la même. T'as cru que j'allais me forcer pour ça ou quoi ? C'est pour ça que ma femme, elle nous kiffe plus, hein. Moi, je te le dis, hein. C'est parce qu'elles savent qu'avec nous, elles peuvent être libérées, tout et tout. Et en plus, nous, quand on dit salope, pute, quand on fait nos bails, c'est pas dire qu'on pense après. Les robots du ghetto, tout et tout. Ils sont un peu ouverts à cet esprit par rapport à ça. Mais de là à se marier avec une meuf avec qui ils ont fait des dirty bails, ça c'est mort. Moi, je peux pas croire que bah, les gars, ils vont accepter de se marier avec une meuf qui fait des bails dans mon genre, ok ? Moi, ma sœur, elle m'a dit qu'il fallait mentir sur ses bails pour pouvoir trouver un gars. Arrête-toi ! Ça, c'est la meilleure façon de se marier avec un con, toi aussi, là. Hey, quand tu dis la vérité, ça fait tri, hein. Hey, soit tu kiffes ton caisse, soit t'arraches ta gueule. Vas-y, là, tu me casses les couilles, là, avec tes questions, là. Comment regarde. Ça, je casse les couilles ? Tu le fais débander ! Si tu dis encore un seul mot, j'arrête tout. Vas-y, ah, c'est quoi, ok, je me tais. Va un peu plus vite, là. Dessert. Oh putain. Ok, enfin, pouvoir avoir la paix, là. Toi, je t'ai pas mis, hein. Viens, je te bouffe la chenille. C'est quoi que tu comprends pas, donc ça me détend, mais ça me dégoûte. Non. Prends pas la confiance. C'est la moitié. Prends pas la confiance. Un doigt. Je veux pas que tu me touches. Juste un doigt. Mais j'ai pas envie que tu me touches. Est-ce que mon pied, c'est bon ? Non, tu vas m'obliger à toucher. D'accord, ok, j'enlève ma main. Je comprends pas. Je suis sûre que c'est elle qui a mis un putain de virus sur mon téléphone pour pas que je puisse allumer ce putain de téléphone quand il rentre dans l'eau. Elle a de la chance qu'il éteint, frère. Je leur ai insulté tous les noms. Cette bouffonne, là. Genre, t'aurais répondu à 3h du matin. Le but, c'est de les inquiéter, pas de leur donner des nouvelles, putain. En plus, on sait tous que ta sœur elle t'aime, donc arrête de faire tes chichis. Bah non, frère. Elle préfère un mec qu'elle connaît depuis quelques semaines à moi. Eh, hey, on s'entend pas, personne s'entend dans cette famille, frère. Personne veut s'écouter, personne veut comprendre comment l'autre va, rien du tout. De toute façon, c'est pas ma sœur et je suis pas sa sœur, j'ai pas envie d'être sa sœur et je veux plus rien d'elle. C'est bon, je l'aime pas comme elle m'a jamais aimé. Attends pas les couilles si elle t'envoie un message, alors pourquoi tu me casses les couilles, wesh ? Mais frère, de me prendre la tête, c'est toi qui me poses des questions depuis tout à l'heure. Vas-y, de toute façon, tu sais quoi, ta sœur, elle t'aimait pas, elle t'aurait supporté dans sa chambre toute sa vie. Mais t'es un ouf, c'est moi qui l'a supporté dans ma vie, hein. Mais t'es la petite sœur, donc forcément. Frère, tu parles, mais si ça se trouve là, elle c'est moi et moi c'est elle, et que peut-être que c'était moi qui étais venue avant elle, parce que dans un monde parallèle, c'est moi la plus grande. Et qu'est-ce que t'en sais, hein, que je suis pas la plus grande ? Qu'est-ce que t'en sais que là, t'as pas en train de parler à elle et que moi je suis pas à la maison ? Hein ? Mais tu casses les couilles ! Et hey, tu préfères que je te dise de bouffer la chatte ou quoi ? Waouh ! Et hey, tu sais quoi, à chaque fois que tu vas me casser les couilles maintenant, je vais te dire bouffer la chatte.
Et donc ça, c'est que c'est un problème. Tu sais que c'est une maladie ce que t'as. C'est une putain de maladie ce que t'as. C'est-à-dire qu'on peut pas avoir une discussion claire, nette et précise. Bouffez la chaîne, 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 bouffez la chaîne. Oh ma la, je rigole, c'est bon, j'arrête, j'arrête, j'arrête. Merci. Tu sais, l'être humain, il est bizarre, hein, il est fait chelou, hein. Ça se trouve, c'est un peu de t'avoir présenté ton gars, tu vois. Et du coup, on confond souvent notre haine et notre peine, tu vois. Genre, quand t'as la haine contre quelque chose, tu crois que t'as la haine, mais en vérité, t'as juste de la peine. Ça arrive souvent, ce genre de truc, hein. Ouais, bah, elle est trop conne pour faire une théorie comme ça. C'est instinctif. Et toi? T'as des frères et sœurs? Et c'est toi le plus grand ou toi le plus petit ou toi t'es celui du milieu? Je suis au milieu. Ah ouais. Ça c'est chiant. Et cette place-là, c'est la plus détestée. Celle-là, c'est genre l'erreur. C'est la place la plus pourrie. C'est sûr que tes parents, ils t'aiment pas. Moi, enfin, je sais pas, ma daronne, elle s'inquiète pour mon avenir, quoi. Les trucs de daronne, quoi. Normal. Et bon, et c'est pas que j'ai une activité à côté. Je sais pas que j'ai là. Tu fais quoi? Je suis inventeur, Michael. Ah, d'accord, ah. Oui, ben oui, bien sûr, t'es un génie incompris. Je suis un aimant, moi, j'attire les génies incompris. Vas-y, c'est quoi ton avançant? C'est dans les salles de bain, là, et leur prise, là, qui se trouve juste en dessous de l'interrupteur, c'est un truc de ouf. Tu vas te laver les mains, après, tu trouves pas ta serviette. Et là, tu vas allumer la lumière et bam, tu te mets les doigts dans la prise. Hey, c'est le gouvernement, la vie de ma mère, ils pensent trop qu'on est trop ici. Et c'est quoi l'invention exactement? L'invention, c'est changer la prise de place. Frère, hey, ton invention, elle est nulle. Hein. Comment ça, elle est nulle, mon invention? Oui, frère. Grâce à moi, là, Clo-Clo, il serait toujours vivant. Hein. Je vais sur sa tombe. Hey, j'ai dit, hey, Clo-Clo, t'en penses quoi, ma petite gueule, de mon invention? Tu crois qu'il dirait quoi, lui? Bah, je suis pas en bail du genre... ça s'en va et ça revient. Moi, j'ai un truc. Je peux faire fortune de ouf. Mais j'ai trop la flemme de déposer un brevet. Donc tu vois, moi je te donne l'idée. Dépose ton brevet si tu veux. Mais j'en veux juste une. Quoi? Tu vois, quand tu prends ton téléphone, puis tu le perds, tu l'appelles, il sonne, tu l'as retrouvé. Quand tu perds ta télécommande chez toi, elle est perdue, frère. Donc moi, j'ai pensé à ce qu'on mette un bouton sur la télé. Comme ça, t'appuies sur le bouton, la télécommande sonne. Et vice versa. Tu mets un bouton sur la télécommande, comme ça, si tu perds ta télé, bah t'appuies sur le bouton et ta télé sonne. C'est une putain de révolution. Et après, ils seront obligés de payer une licence pour pouvoir récupérer juste le quart des clients perdus. Eh, j'aime bien ce que t'as trouvé, non, là. Voilà, va, c'est ouais, bien. Ouais, ça m'arrive. Ah, ça me fait plaisir. Vas-y, tu sais quoi? C'est pas ça, ma meilleure invention. C'est quoi? Pac-Man intégré, ma gueule. Pas quoi? Pac-Man, tu connais pas ou quoi? Ben. Tu vois, quand t'es au soleil, parfois, t'as plein de petits points qui viennent dans tes yeux, non? Tu vois le truc ou pas? Ouais, des fois, ça me fait... Genre comme s'il y avait des martiens et tout. Ouais, ça me fait genre des points, genre des fois, ça me fait des points bleus, rouges. Ouais. Des fois, j'ai l'impression qu'il pleut dans les yeux. Ouais, t'as capté. Et après, tu choisis un point. Uh-huh. Et tu dois le faire bouger. Comment ça? Tu mets tes mains comme ça. Comme ça? Voilà. Comme ça. Et là, le point, il faut qu'il mange tous les autres points. Tu vois, tu arrives là ou pas? Ah, yes, ah, c'est bon, je l'ai niqué. Hey, tu crois que je peux avoir une voiture si je fais le bruit de la voiture? Attends, j'essaie. Hein? Oh.
Ah ouais. On m'a harcelé, frère. Allô? Ça, c'est Salim, je m'en bats les couilles. C'est Rim. Je t'appelle pas parce que j'ai envie de t'appeler, mais parce que maman m'a obligé à t'appeler. Voilà. Que écrit dans mes oreilles. Tu fais que de crier dans mes oreilles. Arrête de crier dans mes oreilles, frère. Allô? Ton père. Bon, écoute, là, il y a ta tante qui est là et elle a pas envie de partir tant que tu seras pas revenu. MDR, ouais, alors, d'accord. Et moi, on s'en bat les couilles, c'est ça? J'espère que t'es avec quelqu'un de bien, qui te respecte. Et merci. Surtout, il y a quelque chose de très important, c'est le clito. Ouais. Allô, Yasmina? C'est moi. Hein? T'es morte. Rim? Reviens. C'est ça? On répond pas. Putain. Allez. Allô, Yasmina, t'es où? Vas-y, ça va? Ben non, ça va pas. On a paniqué toute la nuit, là. Même papa, il a pleuré. Vas-y, arrête de mentir. Papa, il pleure pas. Mais t'es où, là? T'as dormi dans la rue? De toute façon, je t'ai appelé juste pour vous rassurer. Et je veux juste que tu dises à la famille que tout va bien. Mais je suis désolée, c'est mort, je rentre pas. T'es enceinte, c'est ça? T'es enceinte des deux en même temps? Wesh, mais t'es sérieuse, tu penses ça? Tu me manques, tu sais. Donc, je suis ta sœur. Bah évidemment que t'es ma sœur, mais tu veux pas qu'on se voit juste une heure? Tu vas m'obliger à rentrer, j'ai pas envie. On va juste parler, après on trouve une solution, comme ça, et bon, après on rentre. Hé, hey, maman, papa, Ali, même les voisins, ils vont me tuer. Si quelqu'un te touche, je te jure que je me marie même pas. Allez là, on se donne rendez-vous au centre commercial dans une heure, ça te va? Bah non, c'est mort, on va nous voir. Bah ou alors On se capte au port industriel, ok? Alors, dans une heure? Vas-y, j'arrive.